Eh bien, chers amis, moi je vous invite à venir découvrir la nouvelle exposition du musée de la Visitation qui s'appelle Madame parce qu'elle est consacrée à une femme vraiment incroyable qui a marqué le Bourbonnais de 1632 quand elle arrive en novembre, en 1665 quand elle décède à Moulins, la duchesse de Montmorency qui finira dans la fin de ses jours religieuse à la Visitation de Moulins, mais qui durant les 25 ans qui ont précédé a vraiment été une mécène incroyable pour le Bourbonnais, aidant à la fondation d'un hôpital, aidant à la dotation de la Visitation de Moulins dont il subsiste la magnifique chapelle que vous avez peut-être l'occasion de visiter durant cet été puisqu'il y a beaucoup de visites organisées. Et puis surtout cette exposition va vous permettre de retracer sa vie au travers de beaucoup d'objets insolites comme son ombrelle, comme une robe, des petits objets de sa vie de cour, et puis au fur et à mesure des objets qu'elle a fait créer ou fait faire, des belles peintures, des enluminures et tout un ensemble d'objets qui nous parlent de son implantation à Moulins, qui nous parlent de sa vie à la fois de mécène, de femme du monde, de femme d'influence presque politique on pourrait dire, catholique fervente certes, mais quand même très attentive à la bonne santé des gens, puisqu'entre autres elle aide à la fondation d'un hôpital à Moulins. Donc là c'est tout ce parcours de la duchesse de Montmorency en Bourbonnais qu'on vous invite avec le musée de la Visitation à découvrir jusqu'au mois de décembre à l'hôtel de Moret, rue d'Allier, à Moulins.